Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette soirée de football. On va pas se mentir, la pluie qui s'abat sur le terrain depuis maintenant plusieurs heures ne devrait pas nous offrir une pelouse parfaite. On a même vu tout à l'heure les arbitres inspecter le terrain. Ils avaient l'air plutôt graves. La cérémonie du rebond du ballon, etc., etc. Mais a priori, le ballon roule. Le ballon rebondit bien, alors le feu vert a été donné. Un coup de chapeau quand même aux supporters qui ont eu beaucoup de courage et ont bravé les éléments pour venir mettre de l'ambiance aujourd'hui. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. On est allé à la pêche aux infos et l'équipe devrait évoluer en 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la possession. C'est plus facile de construire quand on est 5, fatalement. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux de terrain avoir plus de liberté pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. On va voir ce que nous réserve ce match. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? Je vais dire Di Maria. À la base, c'est un ailier. Mais ses talents sont multiples. Avec son jeu de passe, c'est aussi un très bon milieu axial. Je pense qu'il va avoir beaucoup de liberté aujourd'hui. Et comme souvent, ce sera le joueur à suivre. Oui, je suis plutôt d'accord. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Ça va sur l'aile. Sur le côté. Et ballon perdu. Kurzawa. Paredes. Danilo Pereira. Di Maria. Florenzi. Dans la profondeur. Mangani. Mangani. Qui a de la liberté. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Marco Verratti. Ça n'a pas pu aller plus loin. Dans la profondeur, bien vu. Et ils peuvent remercier la chance cette fois. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La passe dans la profondeur. C'est parfait, magnifique. Neymar! Marco Verratti qui cherche une solution. Ça doit faire but! Va-t-il en profiter? Faut tirer là! Et le ballon est sorti. Touche! Avec Verratti. Il cherche la profondeur. Il est bien placé. Oh, il y avait danger! Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Changement d'orientation du jeu. C'est joué long. On joue sur l'aile, il est servi. Bauken, la frappe! C'était presque au fond! Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Mangani. Mbappé. Neymar. Ça va vite. Il allonge le jeu. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe.
Marco Verratti qui est récompensé de son pressing. Mbappé. Bien servi. Il y a danger. Mbappé. Poteau. Un grand dégagement le plus loin possible. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh oui. Allez jusqu'au bout. Et c'est dedans, but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Tout est magnifique dans ce but. But pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Après 44 minutes de jeu par le numéro 7. Et ça fait donc 1-0. C'est la fin de la première période, certains joueurs ont l'air fatigués, la pause va leur faire du bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué, on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Bouffal. Mangani, il change d'aile. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Dans la profondeur, vers Bouffal. La passe est prise, il tire. Bouffal. Neymar. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, quel geste! Garde le ballon. Il est passé! Il peut centrer. C'était bien vu, dommage. C'est une occasion, ça! Une parade magnifique! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. C'est le moment de centrer. La faute. L'arbitre est clair et lui dit de vite se calmer. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Oh le but! Le geste parfait! Oh un but vraiment incroyable! Yes, 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 yes! Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, et après, rien à dire sur l'exécution. Après 65 minutes de jeu, le numéro 5. Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Il renverse, c'est bien fait.
Bonne réception sur cette longue passe. C'est joué dans l'espace. Ça joue long. Oh, le bon ballon! Bien joué, ça! Ça sent la frappe! La bonne diagonale. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Avec Boufal. Oh, quel geste! Se bat de la tête. Occasion manquée. Kurzawa. Alors qu'on est à la 80e minute de cette rencontre. Neymar! Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le voilà averti, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est bien donné. Attention, la frappe! C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Il va falloir être précis. C'est repoussé par le gardien! Marco Verratti! Allez, ça doit faire but! Ça peut être dangereux! À quelques centimètres! C'était un tir plus que correct, ça m'a été sans doute un meilleur sort! Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Draxler entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Le ballon est repoussé. Boufal. C'est bientôt la fin du match. Si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Le ballon dans la profondeur. Bonne intervention. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Il allonge vers l'avant. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Oh, les entraîneurs ne peuvent pas être déçus. Les joueurs ont tout donné vraiment dans cette rencontre. Sur cette pelouse à l'arrivée, match nul. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ?